Me, Juicy J, got too many hoes. Me, Juicy J, got too many flows. Click ballin' out. Salut à tous, c'était ZB. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau glitch sur GTA Online, donc en 1.23, qui va vous permettre de faire de l'argent en illimité et en solo. Alors avant de commencer, je voulais faire une grosse dédicace donc aux deux VFX qui ont fait les deux intros qui sont au début de la vidéo que vous venez de voir. Donc la première intro qui est mon intro personnelle qui a été créée par Kiguru, donc sa chaîne sera dans la description. Et la magnifique intro aussi de la Power Nation qui a été réalisée récemment par Tuglish, donc un membre qu'on a recruté il y a pas longtemps. Allez voir leurs deux chaînes qui seront dans la description et franchement abonnez-vous à leur chaîne, ça leur ferait vraiment plaisir. Alors ce qu'il faudra faire, c'est déjà acheter cet appart donc que je vais vous montrer en ce moment donc sur la carte. Donc pour ceux qui connaissent pas le nom, je vais vous le mettre maintenant, ce sera le Popular Street numéro 2. De toute façon vous allez voir quand je vais appeler le mécano, vous allez voir le nom de l'appart. Donc en fait ce qu'il faudra faire, c'est libérer une place donc dans ce garage, qu'il ne soit pas plein. Et en gros vous allez sortir votre voiture, la bloquer contre la poubelle. Vous allez prendre un véhicule de la rue et vous allez en gros bloquer les deux portes. Donc quand les deux portes vont être bloquées, vous allez vérifier que vous pouvez bien vous téléporter. Ensuite il va falloir aller chercher un deuxième véhicule de la rue. Donc je vous conseille de pas trop vous éloigner, sinon le premier qui bloque la bande d'eau, eh ben il va disparaître. Donc vous allez pas trop loin, vous prenez un deuxième véhicule, et là vous allez le placer comme moi dans la vidéo. Donc vous allez bien appeler le mécano pour que en gros le rond bleu se désactive. Comme ça vous pourrez bien placer le véhicule sans être téléporté dans le garage. Sinon ça va tout faire foirer le glitch, il va falloir encore libérer une place. Donc voilà, vous faites ça, ensuite vous sortez de la voiture. Et là vous allez commencer à tirer donc en dessus du pneu gauche. Et vous allez voir que quand elle commence à prendre feu, il va vite falloir rentrer dedans. Et là la carte va un petit peu clignoter, vous allez vite ressortir. Et là faire triangle, ça va vous téléporter dans la panto. Donc voilà, parce que les deux portes sont bloquées. Et là vous allez voir que quand votre personnage va démarrer le contact, la carte va clignoter à nouveau. Et boum, vous allez être téléporté dans votre garage. Donc arrivé dans votre garage, vous allez sortir. Et vous allez voir qu'une autre voiture aura spawn dans la rue. Donc vous allez la prendre et aussi rentrer dans le garage. Et voilà, donc vos deux pantos seront là, il y en aura bien une qui sera dupliquée. Donc maintenant vous allez pouvoir en prendre une et aller la revendre au Los Santos Custom. Donc voilà, vous allez la revendre pas plus de 200 000 hein, parce que voilà c'est juste le prix des modifications. Mais bon, la panto est la voiture qui se revend le plus cher grâce à cette duplication, je vous conseille vraiment de l'utiliser et de la modifier à fond. Voilà, malheureusement ça ne bypasse pas les 45 minutes, mais voilà, vous pouvez dupliquer un garage entier et ensuite attendre 45 minutes pour les revendre. Voilà, de toute façon les duplications seront là. Voilà, j'espère que ce glitch vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à laisser un petit like et à passer voir ma chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.